Voilà, donc c'est parti. Eh bien, bienvenue à ce nouveau webinaire qui fait partie d'un cycle de webinaires que nous avons intitulé Les confinés de l'espace Info-Énergie. C'est un service qui est mutualisé par deux structures, l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône et l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Virginie et en co-animation, il y a Sylvain qui est avec moi. Donc, vous nous avez tous les deux en visuel. Peut-être que Sylvain, à un moment, enlèvera la caméra. Normalement, moi, je vais rester en visuel pendant l'ensemble du webinaire. On est sur une session qui va durer une petite heure. L'objectif, c'est de rester sur ce format-là. Voilà, nous sommes ensemble pour l'heure à venir. Comme on a pu l'évoquer, tous les webinaires sont enregistrés et seront mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez le mail avec le lien et pour y accéder avec tous les documents référents qu'on va évoquer pendant cette présentation. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur le chauffage au bois. À savoir que tous les micros et toutes les caméras sont coupées pour qu'on ait déjà une bonne fluidité au niveau de l'image et du son. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Il y a un module en bas de vos écrans qui est indiqué Converser. Donc, vous pouvez poser vos questions. Je vous invite à poser des questions qui soient le plus large possible pour qu'elles intéressent le maximum de personnes. Sylvain va rassembler les interrogations et on va avoir deux temps d'échange par rapport à ces questions. Si jamais vos questions n'obtiennent pas de réponse, pas d'inquiétude, tous les conseillers restent joignables pour répondre à ces interrogations. Alors, voilà le sommaire de la session du jour. Donc, une première partie sur qui sommes-nous, la rénovation performante. Donc, sur ces deux premières parties, il va y avoir pour ceux qui ont déjà assisté un petit peu de répétition par rapport aux précédentes versions. Pas d'inquiétude, on va faire rapide. Et puis ensuite, on va se concentrer sur le chauffage au bois avec une première partie qui va concerner le bois énergie. Et le type de chauffage au bois. Suite à ça, il y aura une première session de questions-réponses. Et puis ensuite, la composition d'un système performant. On évoquera les aides et un retour d'expérience. Deuxième temps de questions-réponses. Et on conclura suite à cela. Alors, petite introduction, qui sommes-nous? On est conseiller à l'espace Info-Énergie Rhône et Métropole de Lyon, membre du réseau FER, qui est un réseau national. On porte un service d'intérêt général. C'est un service qui est gratuit, neutre et indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux. C'est un conseil qui s'adresse aux particuliers et qui va se concentrer sur trois critères. Donc, les critères techniques, économiques et environnementaux concernant la rénovation énergétique. Il s'agit d'un service qui est financé par l'ensemble des collectivités du Rhône, la métropole, l'ADEME et la région. Ainsi, oui, la métropole, l'ADEME, la région et le Rhône sur tout ce territoire. Un service qui est accessible à toutes les personnes qui habitent le territoire. On va poursuivre avec cette partie sur la rénovation performante. Et qu'est-ce qu'on entend par rénovation performante? Cette page
se lit en deux parties. Donc, on a la partie supérieure qui se situe ici, qui correspond à une rénovation avec un traitement successif des étapes que l'on va étaler dans le temps avec les postes de travaux que l'on va faire successivement. Donc, traiter les menuiseries, isoler, se préoccuper du système de chauffage. Quand on entreprend ce type de rénovation, on a un attendu, c'est effectivement de bien améliorer la performance énergétique de la maison. Et on pense qu'on va atteindre les étiquettes B, voire A. Ce qui se passe, c'est que dans la réalité, ce saut d'étiquette ne va pas être aussi conséquent. Et donc, il va se produire une certaine insatisfaction. Pourquoi ? Parce que cette intervention par étape fait que l'on ne va pas aborder des points qui sont très importants et qui permettent d'atteindre la performance, c'est-à-dire traiter toutes les jonctions, traiter les jonctions d'étanchéité à l'air, les ponts thermiques, ne pas optimiser forcément le rendement et système de chauffage, et donc ne va pas conduire à franchir de façon aussi importante ce que l'on pensait en termes de performance. Pour atteindre cet objectif qui est atteignable, on va se concentrer sur cette deuxième partie où pour atteindre la rénovation performante et vraiment franchir ce saut en étiquette d'une classe énergétique assez basse vers une classe énergétique A ou B, on va traiter l'ensemble des postes et si possible en une seule fois. Dans ce cas-là, on va pouvoir coordonner la majorité des travaux en même temps, optimiser toutes les jonctions, traiter les ponts thermiques, l'étanchéité à l'air, bien dimensionner le chauffage par rapport aux besoins. Et là, effectivement, on va pouvoir atteindre ce niveau de performance et être satisfait de cette atteinte. Alors, typiquement, on est dans cette situation-là où au début des travaux, on a des factures qui sont assez conséquentes. Et puis, suite aux travaux, on va atteindre cette étiquette-là avec des factures qui sont beaucoup moins conséquentes. Et donc, oui, c'est possible et c'est financièrement intéressant. C'est le meilleur moyen pour être résilient par rapport aux fluctuations du prix de l'énergie, pour sortir durablement de la précarité énergétique et puis aussi atteindre les objectifs de réduction de consommation d'énergie du pays. En complément, ça permet de pouvoir utiliser des énergies renouvelables, on va l'évoquer aujourd'hui, d'aller vers des ressources locales et donc d'augmenter notre autonomie énergétique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette économie sur la facture d'énergie mensuelle, annuelle que l'on va faire, elle va permettre de financer les travaux qui permettent d'atteindre ce niveau de performance. Et donc, hop, on arrive à cet outil. Avec ce logiciel ecorénové.org, on a la possibilité d'avoir une vision financière de sa rénovation et de voir où se situe l'équilibre en trésorerie de chaque ménage en fonction des travaux prévus, de l'enveloppe de budget qui est nécessaire, du type d'énergie que l'on va utiliser, d'intégrer également le montant d'aide et le type de financement qui permettra d'atteindre la performance. Une fois qu'on a bien réduit les besoins en énergie de la maison, il est temps de définir le système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire adapté aux nouveaux besoins. Et donc, aujourd'hui, le webinaire du jour s'inscrit dans cette démarche-là. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route depuis le début, je rappelle que l'ensemble des micros et des caméras sont coupés.
Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Les questions seront rassemblées par Sylvain, qui anime avec moi le webinaire, et on aura deux temps de réponse. Alors, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas une seule solution, mais des multitudes de bonnes idées, et que l'objectif va être de trouver celle qui correspond le mieux à votre maison, mais aussi aux occupants et à votre façon de fonctionner. On ne va pas pouvoir rentrer dans tous les cas individuels, ni dans toutes les solutions techniques qui existent. Pas de souci. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à appeler l'espace Info Énergie. Les conseillers sont là pour vous répondre, par téléphone, par mail et par rendez-vous également, qui actuellement sont réalisés en visioconférence. Donc, le thème du jour, le chauffage au bois performant. On va commencer avec les avantages du bois énergie. Donc, premier point, le bois énergie et environnement, c'est la possibilité de faire appel à une énergie renouvelable pour se chauffer et éventuellement produire l'eau chaude. À savoir que l'accroissement biologique de la forêt aujourd'hui est supérieur au volume que l'on exploite. Donc, on fait bien appel à une ressource qui est renouvelable. C'est une énergie au bilan carbone neutre, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone qui est rejeté lors de la combustion par le chauffage est absorbé pendant la croissance de l'arbre. Cette croissance étant sur un cycle court, il y a donc un équilibre et c'est pour ça que l'on parle de bilan carbone neutre. C'est également une énergie au bilan énergétique positif. Qu'est-ce qu'on entend ? C'est-à-dire que le bois nécessite peu d'énergie pour qu'il devienne un combustible. Il nécessite moins d'énergie pour sa fabrication que ce qu'il va apporter en chauffage. Autre élément à prendre en compte également par rapport à cette ressource bois-énergie, c'est l'aspect économique. C'est la possibilité de faire appel à une énergie qui est vecteur de développement au niveau local et au niveau de développer l'économie locale, voire nationale. Et c'est une énergie qui est économique. Alors, faisons point sur ce graphique qui, toute énergie confondue, indique le prix en centimes TTC par kilowattheure, et donc le bois énergie est l'énergie aujourd'hui la moins chère du marché. On va évoquer quelques notions d'enjeux pour donner quelques chiffres et se rendre compte de la pertinence de certaines interventions, des points de vigilance à avoir dans le choix de ce système de chauffage. En quelques chiffres, donc aujourd'hui, 25% de la population française se chauffe au bois. Et sur ce pourcentage, la moitié est équipée d'équipements qui sont vieillissants, donc peu performants et polluants. Donc, il va y avoir des points de vigilance sur ces notions-là. Il va y avoir un impact sur les consommations de combustible. Forcément, si on a un équipement qui est peu performant, eh bien, on va avoir besoin de plus de combustible pour avoir la même chaleur. Et puis, donc, sur le bois et sur les émissions de polluants. Avec ce premier tableau, on ne va pas l'analyser dans la totalité. L'idée, c'est d'avoir des notions. Si par exemple, on compare un foyer ouvert qui date d'avant 1996 avec un rendement de 10% qui serait remplacé avec un appareil plus récent, un foyer fermé, un insert qui fonctionnerait également à la bûche et un rendement qui serait à 75%, on voit qu'on est en capacité de remplacer un ancien système peu performant par un système plus récent, beaucoup plus performant. Et donc, cette idée d'avoir besoin de moins de combustible.
Deuxième étape, la partie émission. Si on reprend ce même exemple, eh bien, cette fameuse cheminée qui est ancienne ici va émettre beaucoup plus de polluants que si on la remplace par un insert ou un poêle à bûche ici. Et on va pouvoir réduire énormément entre 2 et 10 fois les émissions de polluants. Donc, remplacer son installation actuelle qui est vieillissante, oui, c'est une bonne idée. Et donc, vous êtes au bon endroit. Et si vous n'êtes pas concerné, qu'aujourd'hui, vous êtes sur un autre type d'énergie et que vous réfléchissez à passer au bois énergie pour remplacer votre système de chauffage actuel ou le compléter, ben c'est également le bon endroit puisqu'on va évoquer comment choisir le système de chauffage adapté. Alors, quel type de chauffage au bois et comment choisir ? Le choix va se faire après avoir fait un état des lieux de l'existant, de la situation actuelle qui va concerner plusieurs éléments. L'existant va concerner la maison, à savoir quels sont ses besoins en énergie. Est-ce que c'est une maison qui est peu isolée, très bien isolée? Quelle est la performance de l'enveloppe? Et donc, par rapport à la performance de l'enveloppe, pour ceux qui n'ont pas assisté au précédent webinaire, je vous invite à aller les consulter. Ceux qui les ont suivis donc, savent bien de quoi on parle. Et effectivement, il va être important de faire le point sur aujourd'hui, quelle est la situation actuelle pour savoir demain quel système mettre en place. On va également faire le point sur les attendus de confort des occupants. On pense aux attendus de confort en termes de température. Est-ce qu'on souhaitera une température homogène partout ou pas? Mais aussi aux attendus de confort en termes d'utilisation. C'est des sujets qu'on va évoquer avec le bois énergie parce qu'il va prendre plusieurs formes et il va y avoir besoin ou pas de manipuler le bois pour se chauffer. Et puis, on va également s'intéresser au type de chauffage actuel et aux possibilités qui sont offertes par rapport à ce chauffage actuel. Par exemple, est-ce qu'on a déjà un système de chauffage central qui va assurer chauffage et eau chaude? À quelle température est ce système de chauffage central? Est-ce qu'aujourd'hui, on est chauffé à l'électricité? Est-ce qu'on a déjà un conduit de cheminée qui serait présent, et donc à quel type de diffusion on va faire appel. Une fois qu'on a fait le point sur cette partie existante, on va pouvoir donner des lignes directrices, avoir des tendances pour définir le projet. Il va y avoir deux grandes solutions qui vont se dégager, le chauffage indépendant ou le chauffage central qui aura la possibilité de produire de l'eau chaude sanitaire. Donc, je reviens sur le fait, il n'y a pas une solution parfaite, il y a plusieurs solutions. Et donc, l'idée, c'est de trouver celle qui convient le mieux à la maison, au projet qu'on a par rapport à la maison, aux attendus que l'on a en tant qu'utilisateur de la maison, occupant de la maison, et aux attendus de confort que l'on souhaite. Cette partie concerne le chauffage indépendant. Qu'est-ce qu'on entend par chauffage indépendant ? Donc, c'est la possibilité d'avoir une production de chaleur qui n'est pas reliée à un réseau de distribution hydraulique. Cette diffusion va se faire par l'air, par le vecteur air. Et généralement, ce type d'installation va convenir en complément d'un chauffage central existant et permettra un gain de confort, un appoint pour permettre de réaliser des économies d'énergie et valoriser une énergie renouvelable. Dans certains cas, ça pourra être le mode de chauffage unique et principal d'un habitat qui sera compact, bien isolé, et le poêle suffira à assurer l'ensemble du chauffage.
Pour évoquer les avantages, on est sur un système qui est économique, que ça soit l'installation en elle-même, le coût du poêle, mais également le combustible. On a vu que c'était l'énergie la moins chère aujourd'hui. Un système qui est performant, qui est robuste et qui est simple d'installation et d'utilisation. On verra que c'est simple, on va le mettre entre parenthèses ou entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de points de vigilance que l'on va évoquer et donc il faut quand même bien prendre le temps et s'impliquer dans le mode d'utilisation de ce système de chauffage. Par rapport à son implantation, l'emplacement idéal de ce système de chauffage, on va déjà dans un premier temps définir quelle est la surface que l'on souhaite à chauffer dans la maison, parce qu'il y a certaines pièces qui n'ont pas besoin d'être atteintes par le système de chauffage. Et puis, on va chercher à avoir un système qui soit implanté de façon la plus centrale possible dans cette surface habitable. Bien entendu, il y aura des contraintes techniques qu'il faudra prendre en compte. Mais déjà, dans cet emplacement idéal, on va être dans cette recherche-là afin que la chaleur atteigne le maximum d'espace. Parmi les solutions qu'il existe pour le chauffage indépendant, il y a plusieurs solutions qui existent, donc le poêle à bûche, le poêle granulé. J'évoque ensuite le poêle de masse, mais on aurait pu évoquer les inserts, les cuisinières ou le poêle mixte. À savoir que aujourd'hui, j'ai fait le choix de me concentrer sur les deux premières catégories, donc le poêle bûche et le poêle granulé. Les poêles à bûche ont un rendement qui sont assez élevés, qu'on voit ici, il est situé entre 70 et 85% de rendement. L'autonomie est de quelques heures. Il va dépendre de la qualité de la combustion, de l'inertie du poêle, mais c'est vrai que cette autonomie va être assez relative et donc va nécessiter et va dépendre de l'intervention et de la présence humaine pour mettre la bûche dans le poêle. Parmi les avantages que l'on va pouvoir identifier sur ce type de système, il y a le charme de la flamme, l'indépendance électrique et puis le fait de faire appel à un combustible local. En effet, une bûche fait rarement plus de 50 km, donc on est vraiment dans ce réseau local. Dans les inconvénients, bah effectivement, on évoquera cette notion d'autonomie et de dépendance de l'action humaine. Et puis, une production de chaleur qui va être en dents de scie. En tout cas, il va falloir chercher au maximum à lisser cette production de chaleur. Mais voilà, ça fait partie des caractéristiques du poêle à bûche. Pour le poêle à granulés, donc on est sur des rendements qui sont de 80 à 95%, qui sont donc plus élevés. Une autonomie qu'on va mettre en moyenne de 12 à 72 heures, qui va dépendre bien entendu de la qualité de l'isolation de la maison, des besoins que l'on va avoir, de la taille du réservoir, du poêle. Un système qui va permettre de gagner en confort d'utilisation puisque ce réservoir, on va le remplir ponctuellement, gagner en autonomie. La possibilité d'avoir des systèmes de programmation et de régulation qui permettent de gagner en confort également. Et puis, un allumage et une alimentation qui sont automatiques, donc en termes de confort d'utilisation, des éléments qui sont importants. Pour les inconvénients, on pourra noter la dépendance électrique, puisque effectivement, ces équipements ont besoin d'être alimentés électriquement. Et puis, une vigilance par rapport au niveau sonore. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation. On est à peu près à l'équivalent niveau sonore d'un lave-vaisselle récent. Mais voilà, à prendre en compte. Donc, ce qui va
vraiment les distinguer, c'est le type de combustible, le confort, donc le confort de température que l'on obtiendra, d'autonomie et le fait d'avoir besoin de faire appel plus, avec une fréquence plus ou moins importante à l'action humaine. Passons à la deuxième partie qui concerne le chauffage central et donc cette deuxième famille. Donc, un chauffage central, on est sur un seul appareil qui produit le chauffage pour l'ensemble des pièces. Une chaleur qui est diffusée par un réseau d'eau, un réseau hydraulique, et qui sera émise soit par des radiateurs, soit par un plancher chauffant. C'est également un système, donc la chaudière, hein, qui produit, qui permettra de produire de l'eau chaude sanitaire. Au niveau des avantages, on pourra citer le point de vue économique. Donc là, on est sur une vision plutôt en coût global parce qu'on est sur un investissement initial qui est plus important qu'un chauffage indépendant. On fait appel toujours au même type d'énergie, donc un intérêt en coût global à prendre en compte. Des rendements qui sont élevés et une combustion qui est bien optimisée. Un confort d'utilisation, puisque pour certaines des solutions, on pourra voir que l'autonomie pourra être annuelle. Autre avantage, la possibilité d'être sur une production donc de chauffage et d'eau chaude, ce qui n'est pas le cas dans le cas du chauffage indépendant. Ce sont des technologies qui sont matures et performantes, également robustes et qui ont des durées de vie plutôt importantes. On pourra également identifier comme vrai avantage la possibilité d'être installé en lieu et place d'une chaudière actuelle qui fonctionnerait avec un autre type d'énergie. Et qui fonctionnera également avec des températures qui seront différentes, donc qui pourra s'adapter à des solutions basse température, par exemple avec le plancher chauffant, ou des solutions moyennes ou haute température, sans nécessité forcément de remplacer l'ensemble du réseau, de l'installation et des radiateurs. Concernant l'emplacement idéal, la chaudière sera située dans un local technique. Donc, c'est vrai que si on est dans une installation où on n'a pas de local technique, il faudra réfléchir au lieu d'implantation et puis également au lieu de stockage pour le combustible qui sera retenu. Alors, en chauffage central, on va identifier trois catégories. Donc, la chaudière bûche, la chaudière granulée et puis la chaudière bois déchiqueté. Pour la partie bois déchiqueté, on l'évoque ici, elle s'inscrit davantage pour des grosses installations avec des besoins de puissance importants. Donc, on va être sur des grandes surfaces. Elle sera adaptée également aux collectivités. Donc, dans ce webinaire qui est plutôt consacré aux particuliers, on va s'intéresser davantage à la chaudière bûche et à la chaudière granulée. Les chaudières bûches ont un rendement de 80 à 90%. En termes d'autonomie, on va être sur 1 à 2 chargements par jour. Et puis, il va falloir coupler avec l'installation de ce qu'on appelle un ballon tampon que j'ai cité hydroaccumulation. Qui va permettre d'améliorer le rendement de la chaudière, d'allonger sa durée de vie et puis qui va permettre de stockage pour diffuser la chaleur qui est en surplus et puis la restituer de façon plus lente par rapport au chauffage. Parmi les avantages, on va revenir sur le coût du combustible et puis par rapport aux matériaux utilisés, la bûche, un stockage
qu'on pourra envisager à l'extérieur, avec bien entendu des points de vigilance quant à ce stockage que l'on va évoquer un peu plus tard. Concernant les choses à prendre en compte qui pourraient être considérées comme des inconvénients, bah effectivement, c'est de la bûche qui permet le chauffage, donc l'action humaine et la manutention de la bûche qui est à mettre en place. Pour la chaudière granulée bois, on est sur un rendement de 75 à 95% et quand on sera sur des systèmes basse température, avec la possibilité de condensation, on ira vers des rendements qui pourront être encore plus importants. C'est un stockage qui se situe à proximité de la chaudière avec différentes formes qui existent, donc soit un silo textile, soit un silo en dur. Et le combustible est amené vers la chaudière de façon automatique, donc une vis sans fin ou une aspiration. Cette installation permet d'avoir une autonomie qui peut être annuelle. On a une alimentation qui est programmée et automatique, donc c'est vrai qu'on est sur un confort d'utilisation qui est vraiment important. Et puis une combustion qui est optimisée, donc avec peu de cendres produites et puis de faibles émissions également. En chauffage central, on va avoir la possibilité de pouvoir réguler les températures par rapport au système que l'on a dans l'habitat, donc moyenne température, haute température ou basse température. On revient sur le même type de distinction, on va essentiellement se situer sur la nature du combustible, à savoir la bûche ou le granulé, les manipulations que ça engendre et donc l'autonomie du système qui va avec. Sur cette première partie, ce qu'on pourra conclure, c'est que effectivement, il sera intéressant de bien définir la situation actuelle pour savoir vers quel type de chauffage aller par la suite. Grâce au logiciel Thermix, il est possible de comparer les différents systèmes au regard de critères initiaux que l'on va rentrer, donc l'investissement initial, le coût de l'énergie, donc on a pu voir dans un des premiers graphiques, l'augmentation du coût de l'énergie et puis le coût de l'entretien, donc ce qui va composer l'ensemble du système, et donc de pouvoir observer sur 20 ans, comparer les factures d'énergie cumulées avec l'investissement initial et comparer le bilan environnemental et le coût de système que l'on aura. Alors, j'espère que cette première partie était intéressante. Donc, moi, j'ai pas trop de visuel par rapport aux interrogations. C'est Sylvain qui a pu centraliser l'ensemble. Donc, on va pouvoir faire le point sur cette première session de questions-réponses. Alors, on va commencer par une question assez simple. Les poêles à granulés sont-ils silencieux? Alors, non, au moment en fait où la vis sans fin alimente le système, il y a effectivement un bruit qui se déclenche. Comme j'ai pu l'évoquer pendant la présentation, on est à peu près à l'équivalent de 50 dB, donc équivalent d'un lave-vaisselle récent en termes de bruit. Mais c'est effectivement donc ils sont pas silencieux. On n'est pas sur un bruit très gênant, mais c'est une donnée à prendre en compte. Il faudra les comparer en ayant bien à l'esprit cette donnée. Et pour compléter, ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir différents types de bruits. Il peut y avoir le bruit de la soufflerie, il peut y avoir le bruit de la vis sans fin et le bruit des granulés qui tombent quand c'est des granulés qui vont du haut vers le bas. Exactement. Donc, effectivement, des bruits qui seront différents et qui vont... certaines personnes seront sensibles et d'autres ne le seront absolument pas. Ça va pas mal dépendre aussi des marques.
Alors, autre question que j'avais, on nous pose la question de savoir si le logement est déjà équipé d'une pompe à chaleur RR et des radiateurs à eau en chauffage statique. Est-ce qu'il y a un intérêt d'installer quand même un poêle à granulés? Parce que du coup, ça ferait trois types d'énergie pour le même logement, à savoir une maison individuelle d'à peu près 100 mètres carrés. Alors, Sylvain, tu peux me redire une pompe à chaleur RR? Voilà. Radiateur à eau en chauffage statique. D'accord. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a un intérêt de mettre un poêle à granulés? Alors là, je dirais qu'on est vraiment dans le cas où il faut qu'on fasse le point par rapport à votre situation individuelle, qu'on étudie les factures et qu'on voit comment vous utilisez vos systèmes de chauffage pour apporter vraiment une réponse. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir proposer à l'espace Info-Énergie dans un premier temps par téléphone et si nécessaire, mettre un rendez-vous en place. Alors effectivement, parce que là, on va rentrer dans un peu du sur-mesure. Donc là, alors, je ne sais pas si ça vient de moi ou pas. On n'a plus trop de son par rapport à toi, Sylvain. Bien, moi je t'entends très bien. D'accord. Alors en fait, intervention. Moi, de ton côté, c'est l'image qui saute de temps en temps. Alors, je sais, il faudrait peut-être éviter d'utiliser la souris. D'accord. De ton côté, le son est très bon. En tout cas, donc voilà, en fait, c'est le dimensionnement d'un. Comment dimensionner et comment le choisir? Alors, je n'ai pas l'ensemble de la question. Comment dimensionner et choisir? Un fourneau bouilleur. D'accord. Eh bien, justement, on revient sur ces données. Donc, déjà, de faire le point sur la maison et puis son isolation, ce qui permettra de définir quels sont les besoins. Et puis, sur un fourneau bouilleur, on va avoir deux ensembles à prendre en compte, donc cette partie vecteur R et puis vecteur O, à savoir, il faudra définir également qu'est-ce que ça va alimenter par rapport à ce réseau hydraulique. Donc là, vraiment, je dirais cas particulier, il faut qu'on étudie votre situation pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des données. Bon, j'ai un certain nombre de retours qui nous disent qu'effectivement on a des soucis de son. Je ne sais pas là si tu m'entends bien. Là oui. Tout à l'heure ça a coupé, mais. D'accord. Actuellement. Donc on a notamment la question du descendrage et de la. Alors, j'ai entendu uniquement la partie descendrage. Donc, je vais faire l'hypothèse qu'on évoque l'entretien du système. Et ça fait partie des éléments qu'on va aborder dans la seconde partie de la présentation. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on aborde cette seconde partie et puis voir si on répond à ces interrogations pour la suite. Ok, puisqu'effectivement il y a un certain nombre de questions qui pourront être traitées dans la deuxième partie. D'accord. Notamment en lien avec les combustibles, donc on pourra compléter après. D'accord, très bien. Si Sylvain, c'est bon pour toi, ce que je propose, c'est qu'on poursuive parce que je viens de voir qu'effectivement, il est 14h40, la deuxième partie, et on a pas mal de sujets à traiter. Donc, si on veut tenir notre heure sans trop déborder, qu'on poursuive sur la seconde partie, c'est bon pour toi, Sylvain? Oui, tout à fait. Vas-y, je te laisse poursuivre. Ok. Alors, dans cette deuxième partie, on va aborder ce qu'on entend par la composition d'un système performant.
les points de vigilance à prendre en compte, les aides financières avec un focus sur la primaire voie de la métropole de Lyon et puis un retour d'expérience où Sylvain interviendra. Donc, on va évoquer quelle est la bonne recette pour avoir un système performant. Et puis, on va dire les trois grands groupes que l'on peut identifier qui permettront d'avoir une combustion de qualité, qui est l'élément central concernant le bois énergie. Ça va se découper. Alors, je vais essayer d'utiliser assez peu ma souris pour éviter les coupures. Donc, ça va concerner le combustible, les équipements et l'installation, et puis l'exploitation. L'objectif, on le rappelle, c'est de baisser les consommations, donc faire appel à moins de ressources en énergie, de réduire les émissions de polluants, et puis d'augmenter la durée de vie de l'appareil également. Alors, pour avoir une combustion optimale, déjà dans un premier temps, c'est de s'attarder sur le type de combustible. Et on va chercher à avoir un bois qui soit sec et propre dans un appareil performant. Donc déjà sur cette première partie, un bois sec et propre. Dans un premier temps, pour la bûche, ça va signifier d'utiliser un bois qui soit calibré et fendu, donc des bûches qui aient des dimensions assez identiques. On va sélectionner des essences de bois qui soient dures, qui permettront d'avoir une combustion lente et performante, et également d'éviter d'encrasser les conduits. Et puis, concernant le taux d'humidité, qui va avoir une grande importance, donc utiliser un bois sec, qu'est-ce qu'on entend par un bois sec? C'est un taux d'humidité inférieur à 23%, voire même inférieur à 20%. Pour avoir un ordre d'idée, ça va être le stockage du bois après qu'il ait été fendu entre 18 mois et puis 2 ans, 2 ans et demi en extérieur dans un endroit ventilé et à l'abri des intempéries. Pour le granulé, donc le granulé déjà il est issu de la sciure du bois qui est pressé mécaniquement. Et ce qui permet la tenue du granulé, c'est le liant naturel qui s'appelle alinine. Et donc là, en termes d'attendu, donc effectivement, on passe par une action mécanique. Donc la taille, la dimension du granulé seront plus contrôlées. Et puis, en termes de taux d'humidité, on est sur un taux d'humidité à 10%. Sur le bas de cette présentation, vous pouvez voir les démarches qualité qui existent et qui offrent des garanties par rapport à la nature du produit, à son degré d'humidité, aux quantités vendues et puis à la chaleur également des garanties, on appelle le pouvoir calorifique, garanti par rapport à la chaleur restituée et l'homogénéité de ce qui est vendu. Donc voilà, des marges de qualité auxquelles on peut faire confiance. Par rapport aux équipements, on va revenir sur quelques termes techniques que j'ai pu évoquer et que vous allez rencontrer lorsque vous échangerez avec les artisans ou que vous vous intéresserez aux différents équipements par rapport à leurs fiches techniques. Donc, dans un premier temps, la puissance nominale qui est la puissance maximale que l'équipement pourra fournir de façon continue. On parle également de rendement qui est exprimé en pourcentage. C'est l'efficacité de l'appareil ou du système, c'est-à-dire l'énergie qu'il peut fournir par rapport à l'énergie qu'il consomme. Plus le rendement sera élevé, plus le matériel sera efficace. Et puis le facteur d'émission qui correspond à la quantité de polluants émis par unité de combustible brûlé. Plus précisément, il y a par rapport aux équipements des attendus de performance. Dans un premier temps,
sur cette partie-là, ce sont des attendus qui sont réglementaires et donc on ne pourra pas aller en dessous. C'est également ce qui permettra d'accéder à certaines aides. Donc, à minima, respecter la norme. On vous conseille bien entendu d'aller au-delà et de choisir des appareils qui sont performants et le plus performants possible. Ils disposent de signes de qualité qui permettent de les repérer avec le label flamme verte 7 étoiles. Donc, on revient sur les mêmes données, le rendement énergétique, le monoxyde, les émissions de polluants, particules fines et puis monoxyde de carbone. Et donc, effectivement, on voit des attendus qui sont bien plus élevés et qui sont atteignables. Par rapport aux équipements, un équipement qui sur le papier peut s'avérer être un bon équipement avec de bonnes références, rendement, émissions, peut être décevant, voire pas performant, s'il est mal installé ou mal utilisé. Donc effectivement, par rapport à ces éléments-là, il va falloir prendre en considération plusieurs choses. Le dimensionnement. Ce fameux dimensionnement, l'objectif, c'est d'avoir la puissance adaptée aux besoins en énergie de la maison et que cette puissance soit la plus faible possible en fait, pour utiliser de façon optimale l'appareil et qu'il ait une bonne combustion. On va pouvoir le définir déjà en première approche avec cette équation qu'on ne va pas creuser dans le détail, mais qui prend en compte le niveau de performance de l'habitat, le volume et la différence de température entre la température intérieure souhaitée et la température extérieure, qui permettra de définir donc la puissance de l'appareil. Par rapport à la mise en œuvre, il y aura certains points de vigilance à avoir. Donc, on va veiller à avoir une amenée d'air qui soit dédiée au poêle, au système en tout cas. Déjà d'une part, ça permettra d'éviter de puiser sur un intérieur qui a été chauffé pour alimenter le poêle et puis d'avoir aussi la bonne quantité d'air qui permette une bonne combustion dans le poêle. Il existe des conduits étanches qui vont être utilisés dans des maisons qui sont bien isolées et donc on va chercher à favoriser un conduit étanche en maison basse consommation, par exemple. Et puis, si vraiment vous avez la possibilité ni de l'un ni de l'autre, ben d'avoir une entrée d'air dédiée qui soit la plus proche possible du poêle. On va se préoccuper des évacuations de fumée suite à la combustion. Et donc, qui va se découper en deux parties, le conduit de raccordement et le conduit de fumée. Donc là, un certain nombre de normes et de sorties qu'il va falloir étudier avec l'installateur. Par rapport au stockage de combustible, on l'a pu l'évoquer précédemment, mais effectivement, bien veiller à ce que le combustible soit dans un espace ventilé, à l'abri des intempéries, quand on parle de la bûche. Et puis, concernant le granulé bois pour les stockages chaudières, effectivement, eh bien, différents types de stockage qui existe. Il faudra étudier en fonction du volume de stockage nécessaire et de l'espace que vous avez. Voilà, il y a certaines distances à respecter, également un accès facilité pour la livraison. Donc, on retiendra qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments à prendre en compte et que voilà, pour maximum de prise en compte, vous pouvez faire appel aux artisans RGE, c'est également ce qui permettra d'accéder aux aides et donc les certifications RGE pour les systèmes au bois sont indiquées ici.
L'exploitation. Donc, dans l'exploitation, on va prendre en compte l'utilisation en fait de ce système et on va chercher à respecter au maximum les recommandations des fabricants, des artisans et puis à suivre la norme également. Pour maîtriser son chauffage une fois qu'il est installé et puis avoir un confort assuré et puis les consommations qui soient réduites, on a la possibilité d'avoir un certain nombre d'éléments qu'on pourra installer, donc sonde extérieure qui permettra par exemple à la chaudière, un réglage de chaudière, thermostat intérieur avec possibilité de programmation en fonction des horaires et des attendus de température souhaitées en fonction du réseau. Également les robinets thermostatiques qui s'installeront directement sur les radiateurs. Donc, on va dire une intelligence de fonctionnement une fois qu'on a opté pour un système de chauffage, voilà, de gérer son utilisation. Pour ce qui va concerner la bûche, des possibilités quant à la combustion, d'avoir des techniques d'allumage qui permettent d'utiliser et d'optimiser la combustion et le démarrage. Avec par exemple là une image d'un allumage par le haut qui permet d'avoir une combustion plus lente, de meilleure qualité et moins d'émissions. On évoquera également tout ce qui est entretien, et donc là, ça revient un peu sur les interrogations précédentes. Il va y avoir différents degrés d'entretien à prendre en compte. Effectivement, tout ce qui va être décendrage et nettoyage, des actions à faire par le particulier à l'utilisation du système. Et donc là, en fonction du système, mais aussi de la qualité de combustion, on va être sur des fréquences qui vont être assez variables entre tous les jours à une fois par semaine. Donc effectivement, une action d'entretien à avoir. Ensuite, il va y avoir le ramonage, donc des conduits d'évacuation, des fumées. Et donc là, on est sur une fréquence de 2 fois par an recommandée, même réglementaire, à faire par un professionnel. Et puis, à l'occasion de ce ramonage, le professionnel fera également la vérification de l'appareil et un nettoyage complet. Donc là, on est sur une fréquence de une fois par an. Pour s'y retrouver, parce que ça fait quand même beaucoup de données à prendre en compte, et puis au moment des échanges avec les artisans et de l'analyse des devis, nous avons des fiches aide au choix de devis qui vous permettront de reprendre les éléments à prendre en compte et les contraintes qui doivent apparaître également dans les devis pour pouvoir les comparer correctement. Alors, on va sur cette partie-là aborder les aides financières. Là, je vais vous présenter rapidement les possibilités qu'il y a en termes d'aides financières. On ne va pas pouvoir rentrer dans tous les cas individuels. Ces aides, elles vont dépendre des travaux, donc du type de travaux, de système choisi là, dans le cas du chauffage au bois, des revenus du ménage et du nombre de personnes qui occupent le logement, du lieu d'habitation. Et puis, il faudra faire appel à un artisan RGE. Quelles sont les aides financières auxquelles vous pouvez faire appel? Donc, pour réaliser votre projet, vous pouvez faire appel à un certain nombre d'aides financières. Ce n'est pas forcément très simple de s'y retrouver. Donc, je vous invite vraiment à appeler les conseillers de l'espace Info Énergie qui sont... on est là pour répondre à vos questions et puis pour identifier tout ça et vous renseigner sur les aides auxquelles vous avez accès. Donc, il y a des aides nationales qui sont reprises ici, qui en fonction de votre situation vont évoluer. Vous pourrez faire appel à certaines aides, certaines vont être cumulables ou pas, mais pour en citer quelques-unes, vous avez par exemple la TVA à 5,5%, le prêt à taux zéro, le crédit d'impôt, les certificats d'économie d'énergie, mais également des aides pour les personnes aux revenus modestes. Sur notre site internet, vous avez la possibilité de faire une simulation et d'accéder à des certificats d'économie d'énergie bonifiés. Donc, voilà le simulateur.
Et puis localement, donc en fonction de la localisation de la maison, vous pouvez faire appel à des aides financières complémentaires sur certains territoires. On va évoquer la primaire voie sur la métropole, donc juste après, c'est Sylvain qui va s'en charger. Et puis sur la communauté l'Ouest rhodanien, également des dispositifs qui existent. Mais là, lorsque vous nous appelez, on va vous demander où est localisée la maison et on pourra de suite vous dire si vous êtes concerné ou pas. Un autre type d'aide qui existe, mais qui n'est pas financier, c'est la possibilité de faire appel à un conseil renforcé avec des visites en territoire ou des visites à domicile. Et donc, ils seront possibles sur certains territoires également. Donc là, même façon, vous nous donnez votre adresse et on pourra vous dire. Par exemple, communauté de l'Ouest rhodanien, communauté de communes du Pays de la Brelle, de la vallée du Garon, du vallon du Lyonnais et puis du Pays Brennantais qui permettent d'avoir accès à ce conseil renforcé. Donc, pour le focus sur la prime herbois, c'est Sylvain qui va prendre la suite. C'est moi qui garde la main sur les diapos. Donc voilà, tu m'indiqueras quand il faut passer au diapo suivant, Sylvain. Ça marche. Alors, primaire bois de la métropole de Lyon. Donc, nous, à l'Agence locale de l'énergie et du climat, on est missionné par la métropole depuis bientôt 3 ans pour faire la promotion donc, de cette prime herbois. L'idée étant que la métropole s'est aperçue que le chauffage au bois, et particulièrement évidemment en saison de chauffe, représentait une part importante des émissions de particules fines. Et donc l'idée, c'est d'arriver à remplacer une partie du parc ancien polluant par des systèmes à haut rendement. Donc je vais te laisser passer la diapo suivante. Alors, cette prime, donc l'idée c'est de savoir qu'en fait, bon, on fait la promotion du chauffage au bois, mais on fait la promotion du chauffage au bois récent, moderne, et pas les foyers ouverts ou les inserts à mauvais rendement comme on a pu installer il y a quelques dizaines d'années. On sait qu'un foyer fermé performant, il diffuse de la chaleur plus longtemps. On sait qu'il consomme jusqu'à 7 fois moins de bois, mais surtout, ça on le sait beaucoup moins, un foyer performant, il émet jusqu'à 30 fois moins de particules fines qu'un chauffage ancien, d'où l'intérêt d'essayer de substituer une partie du parc ancien. Alors, cette prime, elle était jusqu'à il y a quelques mois de 500 euros pour les ménages classiques, et elle était portée à 1000 euros pour les ménages modestes. Et vous avez de la chance, depuis quelques mois, la prime a doublé. Donc, elle est maintenant de 1000 euros pour tout le monde et de 2000 euros pour les ménages modestes. Je te laisse passer la suivante. Donc, qui est éligible? Alors d'abord, tous les gens qui sont hors métropole de Lyon ne sont pas concernés. Donc, ça fait quand même… Bon, il nous reste quand même 59 communes sur la métropole de Lyon. Il faut être propriétaire occupant, donc être particulier en maison et utiliser le bois en chauffage principal ou en appoint, et donc les appareils concernés, c'est les foyers ouverts et les foyers fermés d'avant 2002, c'est-à-dire ceux qui ont les rendements les moins bons. Il faut que le logement soit une résidence principale achevée depuis plus de 2 ans, que l'on habite une des 59 communes de la métropole, qu'on s'engage à faire détruire son ancien appareil de chauffage au bois, et il faut que le nouvel appareil dispose au minimum du label flamme verte 7 étoiles ou équivalent. Donc aujourd'hui, vous avez, quand vous allez dans les magasins, les showrooms, les grandes surfaces de bricolage, vous avez de plus en plus d'appareils qui sont flamme verte 7 étoiles, mais ce n'est pas forcément encore le cas de tous les appareils. Et on peut avoir éventuellement des équivalents. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour savoir quels sont les appareils éligibles. Je te laisse passer la suivante. Donc, à fin février, on était sur à peu près 700 dossiers traités. Évidemment, si on a jugé important de faire un webinaire spécifique sur le chauffage au bois, c'est qu'en fait, là, maintenant, on est rentré dans la période où c'est le moment de se poser les questions et que généralement, quand on remplace un système, bah, évidemment, c'est hors saison de chauffe. Donc, là, avec le confinement, c'est vraiment le moment idéal pour réfléchir à tout ça et pour penser à renouveler son appareil, puisqu'évidemment, c'est une réflexion qui prend quelques mois. Donc,
si la métropole a doublé la prime et a suivi en ça un certain nombre d'autres collectivités locales qui avaient déjà mis en place ce genre de prime avant nous, notamment des endroits où les particules fines créent de gros problèmes de pollution, comme à Grenoble, comme dans la vallée de l'Arve, c'est effectivement pour arriver à sortir plus de dossiers. C'est un bon indicateur et c'est quelque chose qui aide à sortir du dossier. Donc, je vais te laisser appuyer sur la suivante. Alors là, on va justement faire un retour d'expérience d'un usager ayant bénéficié de la prime Herbois. L'usager, c'est moi, comme ça je suis bien placé pour en parler. Donc, effectivement, moi je me posais la question de renouveler mon système. Alors là, je pense qu'un certain nombre de gens qui nous suivent aujourd'hui sont équipés de ce type de technologie. Donc moi, j'ai une maison entre guillemets relativement classique, 100 mètres carrés avec un étage, donc en gros 2x50. Une maison des années 80 en tout électrique qui était équipée de ce type d'insert qui ne chauffait vraiment pas grand-chose. Donc du coup, j'étais quand même obligé de beaucoup chauffer à l'électrique. Évidemment, l'électricité, c'est une énergie qui est coûteuse. Et donc, j'ai profité de la prime pour réfléchir au changement de système. Comme il se trouve qu'en plus, c'est moi qui organise les soirées prime Herbois sur le territoire de la métropole, dans les communes où il y a beaucoup de maisons chauffées au bois, et ben j'étais effectivement beaucoup plus à même d'en comprendre l'intérêt. Donc, tu peux lancer la suivante. Donc, j'ai choisi un installateur, j'ai reçu un devis et pour économiser un petit peu, en l'occurrence 800 euros hors taxe, j'ai fait le choix d'évacuer l'ancien système moi-même. En n'étant pas bricoleur, c'est quand même quelque chose de relativement simple de démonter une cheminée. Après, il faut juste arriver à trouver des bras pour porter l'ancien système que j'ai évacué chez un ferrailleur. Et donc, du coup, j'ai pu faire place nette pour passer sur un nouveau système. Alors, c'est vrai que dans les technologies éligibles, on peut avoir des technologies à bûches, on peut avoir des technologies à granulés. Moi, j'ai fait le choix d'avoir un système mixte. Donc ça, c'est un petit peu plus rare. C'est souvent plus cher parce qu'on est sur un système bicombustible. Par contre, si j'ai fait ce choix-là, c'est pour l'automatisme lié au granulé et la possibilité de démarrer le poêle à distance en Wi-Fi. Et c'est pour pouvoir, quand je suis à la maison en soirée ou le week-end, pouvoir utiliser un combustible moins cher qui est la bûche. Donc là, c'était le jour de la livraison et le jour du premier, on va dire, de la première flambée. Donc en termes de visuel, bon là, on est sur un poêle tubulaire relativement classique, cylindrique. Après, on a énormément de visuels pour les poêles à bois et quand on va dans les showrooms, on a des choses qui sont cubiques, on a des poêles style poêle de couloir relativement étroits, on a tout un tas de finitions possibles. Donc aujourd'hui, c'est devenu un objet qui procède même de l'esthétique du logement. Et surtout, j'ai vraiment pu voir la différence en matière d'efficacité. Donc là, je peux te laisser lancer la suivante. Donc, pour que les gens aient une idée, puisqu'il y a pas mal de questions là-dessus sur les travaux éventuels, sur le tubage, sur tout un tas de choses. Donc, moi, je vous ai décomposé le coût des travaux. Donc, effectivement, comme on a refait un tubage, il a fallu reconstruire, remettre une plaque de placo, refaire de la peinture au-dessus du trou, donc à peu près 400 euros. Là, c'est quelque chose qui n'était pas obligatoire, mais comme mon élément terminal de cheminée était dégradé, on a refait l'élément terminal de la cheminée. Le poêle en lui-même, donc il y a 2 ans, avait une valeur d'à peu près 3000 euros, 650 euros de tubage, 510 euros de raccordement. On a percé le mur pour créer une arrivée d'air extérieur, à peu près 300 euros. Le tout, donc, nous mettons à peu près à 5500 euros avec une TVA de 5,5. Donc, moi, j'avais touché la primaire bois de la métropole de 500 euros, qui a doublé depuis, et un crédit d'impôt d'à peu près 1000 euros. Donc, en gros, aide déduite, à peu près 4000 euros. Si j'étais allé sur un poêle que granulé ou que bûche, forcément, le coût aurait été plus faible. Donc, voilà pour cette décomposition de travaux. Le retour d'expérience après 2 hivers. Alors, bon, on peut quand même dire que les 2 derniers hivers n'ont pas été très, très rigoureux. Mais
J'ai passé en gros l'hiver dernier à peu près 25 sacs de granulés. Donc à 4 euros le sac, ça me faisait à peu près 100 euros. Cet hiver, allez, un peu plus. Donc on va dire à peu près 120 euros de granulés, 1 à 2 stères de bûches. Donc là, je n'ai pas passé beaucoup en bûches. Et puis, bah, si j'étais aussi parti sur ce système, c'est parce qu'ayant un ami menuisier qui a des chutes de bois très secs et à qui ça arrange d'être régulièrement débarrassé, voilà, ça me permettait aussi de pouvoir utiliser du bois de récupération très sec, non verni et non peint. Là où vraiment aussi j'ai gagné, c'est sur le fait que j'ai quasiment pas utilisé mes radiateurs électriques. Donc là, j'ai même enlevé les radiateurs que j'avais dans le salon. L'intérêt du système, c'est que quand on est en granulé, on a une montée en température qui est très, très rapide. J'ai la possibilité d'utiliser l'appareil à 10% de son rendement, à 50% ou à 100% de son rendement. Autant vous dire qu'à 100% du rendement, ça grimpe au mur. Ça m'est arrivé une fois de m'endormir pendant que le poêle était encore à 100% et je me suis retrouvé, quand je me suis réveillé, à 26 degrés. Donc effectivement, c'est des appareils qui chauffent fortement. L'intérêt, c'est qu'on peut le démarrer à distance. Et par rapport à des questions qu'on a reçues aussi, le décendrage est très fortement lié au rendement. Donc, par rapport à mon ancien système, ma cassette de décendrage est trois fois plus petite et je dois la vider trois fois moins souvent. Et qu'évidemment, plus on va être en granulé, plus on va être sur de la fine. Je crois que de tête, je dois être en rendement à 81% théorique en bûche et à 87% en granulé. Donc évidemment, on génère un peu plus de cendre quand on est à la bûche. Et pour directement aussi évacuer la question de la qualité du bois quand il est stocké à l'extérieur. Alors, j'ai remarqué une chose, bon, le granulé, lui, on va le stocker à l'intérieur, donc le rendement du granulé va très peu varier. Par contre, ce qui va varier, ça va être le rendement de la bûche et ça va être lié effectivement au taux d'humidité de la bûche. Pendant les années où j'ai fonctionné uniquement au bois bûche avec mon ancien insert, j'avais des rendements qui étaient mauvais parce que je n'arrivais pas à trouver de la bûche sèche. C'est-à-dire qu'en fait, on vous vend du bois, parfois même garantie H1, c'est-à-dire moins de 20% d'humidité. Or, dans la réalité, il a peut-être séché un an et demi en forêt, quand il lui faudrait à peu près 3 ans de séchage. Donc, clairement, moi, je conseille aux gens de se faire livrer éventuellement par 5 stères, parce que souvent, la livraison est gratuite, et de rajouter un an de séchage quand on a la place de le faire. Voilà, parce que ça permet d'avoir un rendement nettement supérieur. Il me semble qu'on a là-dessus, je crois que c'est la dernière. Donc, du coup, on peut compléter les questions. Alors, pendant que je parlais, il y a encore des questions complémentaires. Alors, on me demande notamment si c'est mon seul mode de chauffage. Alors, j'ai gardé des radiateurs électriques dans les chambres, à l'étage. Et du coup, quand il fait vraiment froid, je peux avoir le radiateur électrique, on va dire, en appoint, c'est-à-dire le mettre pour que... il rechauffe quand on descend en dessous de 16, on va dire mettre un réduit à 16-17. Donc ce n'est pas mon unique système de chauffage, mais en tout cas sur les deux hivers derniers, ça devait être 90% de mon chauffage. Qu'est-ce qu'on nous a demandé encore? Est-ce que la prime est réelle? Les artisans ont l'habitude d'augmenter leurs tarifs quand on bénéficie d'une aide. La prime, elle est réelle. Après, effectivement. Il faut faire marcher la concurrence, il faut faire plusieurs devis. On a bien vu effectivement que quand le photovoltaïque a bénéficié de beaucoup d'aides, ça a eu tendance à faire monter le prix des devis. Donc là, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que l'aide, elle est versée rapidement et que c'est des dossiers assez simples à monter et qu'on peut faire les travaux avant de toucher l'aide, ce qui est quand même relativement rare. Dans les autres questions, alors là, notamment, qu'est-ce qu'on nous dit? On a eu beaucoup, beaucoup de questions. Donc, le décendrage, c'est réglé. On nous parle, on nous a parlé aussi, là, tu pourras peut-être répondre, oui, la nécessité de la taille du ballon tampon quand on a une chaudière bûche ou granulée. La taille du ballon tampon, elle va être adaptée à la puissance du système et puis va être dimensionnée également en fonction du besoin de chaleur qu'on a et du système qu'on a entre la bûche et le granulé. Le dimensionnement nécessaire ne sera pas le même. Et donc là, c'est vraiment l'artisan à l'étude de votre installation qui fera les recommandations.
À savoir que pour certaines aides, aujourd'hui, c'est des éléments qui sont apparus avec des minimums en termes de taille par rapport, notamment pour la chaudière bûche, hein, des minimums de taille. Alors, je vais essayer de pas exploser sur les questions. Question technique, une personne qui serait équipée d'une chaudière à granulés, est-ce que le silo peut être installé à l'étage en dessous par rapport à la chaudière ? Alors, par rapport à la situation, oui, l'installation sera plus complexe et forcément devra être étudiée. Il va y avoir des notions de distance à prendre en compte également. Donc, ça, effectivement, c'est vraiment des éléments à évoquer dès que vous faites les premiers rendez-vous avec les artisans. C'est pour ça également qu'on vous invite à faire appel à plusieurs artisans lorsque vous mettez au point l'installation pour pouvoir, l'artisan va vous proposer aussi ce que lui connaît, a l'habitude de faire, et faire appel à plusieurs artisans vous permet de diversifier les points de vue et les conseils. Alors, on nous parle aussi des assurances et du ramonage. On nous demande s'il est vrai que le ramonage doit être fait deux fois par an. Donc, effectivement, légalement, c'est bien deux fois, dont une fois en saison de chauffe. On est bien d'accord là-dessus. Effectivement, et on va faire appel à plusieurs choses, la réglementation, les recommandations du fabricant et l'assurance. Donc, on est sur deux fois par an. De recommander et réglementaire. Sur la partie entretien des appareils, que ce soit des poêles ou des chaudières à granulés, est-ce que c'est quelque chose qui est plus coûteux, par exemple, que l'entretien d'une chaudière à gaz classique ? Alors, effectivement, quand j'évoquais notre outil Thermix, c'est une donnée qu'on va prendre en compte et qu'on va comparer. Et on va être sur des montants comparables. Pas plus de coûts pour l'entretien, une vigilance sur le fait qu'il faut bien réaliser, comme tout système, il y a un entretien à faire par un professionnel et donc à l'intégrer dans l'ensemble du coût. Dans les questions, on nous demande aussi si les travaux s'échelonnent entre 2020 et 2021, comment être sûr de bénéficier des aides en 2021 compte tenu de la crise 2020. Bon, je pense que ça soit au niveau national ou au niveau des aides locales type primaire bois, je pense que les gens qui ont mis ça en place sont quand même compréhensifs et que logiquement, ça devrait être prolongé sur l'année prochaine, en particulier pour la primaire bois de la métropole, puisque le budget étant loin d'avoir été consommé, il y a de très fortes chances que ça continue l'année prochaine. Oui, alors je vais pas avoir beaucoup d'éléments à compléter, mais effectivement, ce qu'on va prendre en compte, c'est la date de réalisation des travaux et puis la date de facture. Et puis ensuite, effectivement, les dispositifs qui sont en cours. Effectivement, ça sera vraiment par rapport à la date d'intervention et en fonction des aides. On va faire appel à des périodes dans le temps qui sont pas les mêmes, donc vraiment le point à faire spécifique par rapport à votre situation. Sylvain, je me permets juste, il est 15h15, peut-être oui. Dans l'objectif de pas trop déborder et de respecter notre timing initial, je sais pas ce que t'en penses, est-ce qu'on passe sur les dernières slides? On peut passer, alors bon, juste peut-être aussi quelque chose d'important, on nous redemande, mais c'est bien de le repréciser, qui peut évaluer l'isolation d'une maison et quel est le coût? Bon, c'est toujours pareil, l'importance, c'est en amont de contacter un conseiller Espace Info Énergie, ça c'est gratuit et ça peut déjà apporter une bonne aide quand même aux particuliers. Effectivement, on va pouvoir déjà, lors du premier échange téléphonique, pouvoir échanger avec vous, faire le point par rapport à votre maison et à l'isolation. On a vu qu'il était aussi possible de convenir de rendez-vous en fonction des territoires, éventuellement une visite. Et donc, on aura déjà une première approche et une première visibilité.
Et puis ensuite, vous pourrez franchir d'autres étapes. On a justement, je vais vous présenter une liste de professionnels qui pourront vous accompagner. Alors, il y a plusieurs questions aussi qui me demandent l'économie sur la facture d'électricité, le temps de retour sur investissement. Bon, c'est vrai qu'il faudrait que je m'amuse à calculer ça, à pondérer par rapport au DJU, donc les degrés jours unifiés, parce que c'est vrai que comparer des hivers très rigoureux avec des hivers beaucoup plus chauds, c'est compliqué. Bon, je n'ai pas encore fait l'exercice, surtout que j'ai changé de fournisseur d'énergie, d'électricité entre-temps. Donc voilà, il faudrait que je m'amuse à recalculer tout ça. Mais en tout cas, c'est plusieurs milliers quand même de kilowattheures d'électricité économisée depuis que j'ai installé mon système. Et une question, je vais quand même terminer peut-être par celle-là, parce que je pense qu'elle est importante et qu'elle fait le lien avec d'autres énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut adapter un système mixte sur une chaudière à granulés à coupler avec du solaire? Solaire thermique pour produire de l'eau chaude? Oui. Oui, effectivement. Enfin, alors, est-ce qu'on peut adapter un système existant mixte? C'est la question. Hein. Ou c'est… Oui. Oui, oui. Est-ce que si on envisage un système mixte, peut-on l'adapter? Enfin, en gros, j'imagine que la question, c'est est-ce qu'on peut raccorder du solaire sur un… Enfin, est-ce qu'on peut avoir une double énergie solaire et bois à partir du moment où on a un circuit à eau et un ballon tampon? Ça me semble assez facilement faisable. Oui, c'est faisable et c'est d'ailleurs une excellente idée puisque ça permet de bénéficier d'une énergie qui est gratuite, l'énergie solaire, qu'on pourra valoriser pour la production de l'eau chaude et puis le complément sera fait par la chaudière lorsque la production sera insuffisante par l'énergie solaire. Voilà, puis ça serait quand même dommage de brûler du bois en plein été avec un rendement pas terrible juste pour faire de l'eau chaude sanitaire. À ce moment-là, on a les capteurs thermiques qui sont au top de leur rendement. Donc effectivement, c'est beaucoup plus efficace. Donc effectivement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à contacter des conseillers pour compléter directement avec eux. Je te laisse terminer. Très bien. Donc effectivement, on est disponible, à disposition et on répond à toutes vos interrogations par téléphone. Même avec le confinement actuellement, on est tous les conseillers présents et disponibles. Pour faire appel au dispositif d'aide, vous devez faire intervenir un artisan reconnu garant de l'environnement, donc RGE, et sur le site faire.gouv.fr, vous avez la possibilité de les retrouver. Sur notre site internet, vous pouvez également avoir accès à une liste de professionnels qui recense les professionnels qui pourront vous accompagner dans une rénovation globale et performante, donc des maîtres d'œuvre, des architectes et des groupements d'entreprises. Donc, nous sommes situés à Lyon, dans la gare des Brotteaux. On est disponible par téléphone tous les jours de la semaine, donc de 9h à 17h30. Actuellement, c'est un standard sur lequel vous laissez votre message et on vous rappelle de suite, assez rapidement, pour échanger avec vous. On a également des permanences délocalisées sur le territoire, donc qui sont reprises ici et vous avez la carte également. Et donc, quand on est en contact avec vous, et que vous êtes situé à côté d'un lieu où il y a une permanence, on pourra, en fonction de votre projet, définir s'il y a un besoin ou pas de réaliser un rendez-vous. Donc, pour rappel, le numéro de téléphone, vous avez également le site internet et le formulaire de contact pour prendre contact avec nous. Il n'y a pas que le téléphone, effectivement, il y a un formulaire de contact où vous pré-renseignez déjà votre situation, ce qui permet, quand on vous rappelle, de pouvoir vous répondre plus rapidement. Ou alors, si vous n'êtes pas disponible, de pouvoir vous renvoyer un mail avec déjà des premiers éléments d'information, également la page Facebook. Donc, on est bien disponible et joignable pendant cette période de confinement. Vous pouvez nous joindre. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Je reviens en arrière parce qu'effectivement, nous avons une prochaine session jeudi prochain, le 7 mai à 14h et qui concernera le focus sur le photovoltaïque. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire si ce n'est déjà fait pour la suite. Et bien sur ce mot de conclusion, on vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir.
Au revoir à tous et puis désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais il y en avait beaucoup, beaucoup, et donc compléter avec les conseillers. Bonne fin de journée à tout le monde, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.